Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mes amours. Et aujourd'hui, comme d'hab, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que je vais enfin avoir une chambre depuis qu'on est arrivé ici. Donc ça fait un moment que vous suivez nos aventures, etc. J'ai toujours pas de chambre. Enfin, si, j'ai une chambre, mais il y a juste mon lit qui est posé et c'est tout. Super intel, ça fait meuf qui se la pète, mais en fait c'est vrai parce que dans cette chambre, vous allez voir, il y a 4 pièces à rénover, à aménager, à décorer, etc. C'est parti pour un 24 heures avec nous pour vous, mais pour nous ça aura pris plus d'une semaine à tout rénover, en sachant que du coup il y a la terrasse, la chambre, le dressing, la salle de bain de notre chambre, tout ça c'est dans notre chambre. Bref, tu vas voir, reste là, tu vas voir. Ça touche bientôt à sa fin les vidéos déco, puisque du coup après ça il restera ma pièce YouTube, ma pièce beauté, etc. Et ensuite je vous ferai un rond tour global et puis voilà, ce sera fini quoi. Donc on touche à la fin comme ça. N'hésite pas à liker, à t'abonner si t'es pas encore fait, et à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ma petite déco, parce que moi j'ai mis du temps à la faire. Donc mes chéris, avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. Je vais t'en parler puisque là je viens de recevoir ma box. Donc franchement je suis trop contente. On va cuisiner quelque chose ensemble et je vais vous expliquer un petit peu le concept parce que c'est trop bien. Vous allez sur le site, vous sélectionnez les recettes que vous voulez manger pendant la semaine. Donc en quelques clics tu gères, tu reçois chez toi une box avec tous les ingrédients qu'il te faut à l'intérieur pour cuisiner toute ta semaine, pour le nombre de personnes que tu veux. À l'intérieur tu as aussi les fiches de recettes, donc t'as besoin de réfléchir à rien. Tout est calculé au grammage près pour le nombre de personnes, donc il n'y a plus de gaspillage. Sachant qu'aussi t'as plusieurs types de recettes, rapido, familial, veggie, premium, enfin tu sélectionnes exactement ce que tu veux. Chaque semaine t'as 21 nouvelles recettes, donc ça te fait gagner grave de temps. Moi quand je vais aller chercher Lilo, Sohan à l'école, etc., je fais une recette rapido, je prends, je fais 5 minutes, c'est calé. Et surtout j'en avais marre qu'on me dise ouais maman tu fais toujours la même chose et tout. Comme ça ça nous permet de goûter plein de recettes qu'on n'avait pas l'habitude de faire forcément, ou auxquelles on n'aurait pas pensé, et c'est trop bon. Je vous jure, toutes les recettes que j'ai testées, tout était trop bon, genre on n'en a jamais laissé. C'est une box qui fonctionne par système d'abonnement. C'est sans engagement, ça veut dire que vous arrêtez la box quand vous voulez, vous la mettez sur pause même quand vous voulez. Si jamais ça peut vous intéresser, je vous mets le code promo juste ici. C'est un code promo de fou parce qu'il vous fait bénéficier de moins 80€ directement sur vos 3 premières box. Donc franchement ça vaut trop le coup. Le code c'est HelloLou. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé, etc. Tous les liens seront en barre d'informations, n'hésitez pas à aller checker. Vous aurez le lien du site, le code promo et tout, et tout, et tout. Donc fais-toi plaisir si on let's go, je sais pas si ça se dit, pour faire la rénovation de la chambre, la peinture. Enfin ça c'est mon chéri qui va tout se taper. Et nous on se retrouve pour la déco et le room tour. Là mes amours c'est bon, première couche, jour 2, non deuxième couche, enfin toutes les peintures sont faites, tout est très blanc, trop bien, cette tête de fion a tout fait, cette tête de fion farci, là tout fait, aïe, aïe. C'est toi la tête de fion là, t'as la classe là. Mes amours c'est bon, du coup là on va changer le petit luminaire, une sacrée couche de poussière, bref on va enlever ce verre et mettre mon nouveau luminaire. Donc pour le luminaire, monsieur ne sait pas ranger ses vêtements. Pour le luminaire. Du coup j'ai pris celui-là, je l'avais pris sur Amazon, vous allez voir, il se met en comme ça, plus comme ça, et il y a une grosse boule. Bon là j'ai décidé de pas trop cutter pendant cette séquence pour voir la réalité des choses. Mais je m'en fous, parce que je vous le fais pas... Je vous le fais passer pour la bête de mécano. J'ai pas d'outils, que tu parles. Voilà, il a même pas d'outils. Excuse-moi. Il a un coup de barre, du coup, il est pas content. T'as mis ta moumoute ou pas? Bon, j'ai gardé ce bout de lit de l'autre maison. Du coup, on va lui redonner un coup de frais. On va le brosser, miskine, parce que. Voilà, regardez. On va lui faire l'arrêt au mieux à Jean-Paul. Bah je le brosse, il est dans un état lamentable. Ça se brosse pas. Bah si ça se brosse pas, enlever les nœuds. Ouais. Tu fais ça et après tu fais comme ça, genre tu le remets un peu en pète-pète, mais pas à ce point quoi. Un peu en pète-pète.
j'ai encore besoin de toi. Hein. Je quitte pas le monde maintenant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour faire ma commode. Après, tu pourras quitter. Oh, gros tapis. On va venir éclater sur le sol. Amour, si jamais n'achetez pas un lit, achetez un tapis chez Ikea et c'est nickel. Les bulldogs, je vous jure, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, ils s'en foutent. Hop, mais fais semblant de bosser là, je suis en train de faire une séquence. Sérieusement, fais semblant de visser vite parce que j'en ai marre. Je rigole. Je rigole. Mes amours, c'est un calvaire cette chambre. Vraiment, ça fait je sais pas combien de jours on est dessus. On en a ras le bol. Du coup, on va passer à la terrasse. Vous voyez, elle est dans un état. Donc là, c'est la terrasse de la chambre. Elle est quand même bien grande. Mais tellement il y a de vases à terre, ça glisse parce que bah, c'est normal, c'est l'hiver, personne s'en est occupé. Et pareil, ici, il y a un peu de verdure, enfin beaucoup même. Les panneaux sont à laver et tout. Donc, vous savez quoi? Là, ça va être la pièce gaming de mon chéri. Pareil, il faut tout nettoyer. Ce qui est trop bien, c'est que... Bon, là, ça arrive dans la salle de bain. Hein, c'est le bordel. Je vous regarde pas. Donc bon, c'est la tête du soir. Hein. On a été chercher tout ce matin et tout. On a fait ça toute la journée. Donc on est éclaté. Mais au moins, on a tout ce qu'il nous faut. Mes amours, on a été aussi à Leroy Merlin chercher un Karcher. Et c'est trop bien parce que j'ai pris cette brosse. On va mettre un produit. Tu vas aller chercher le produit. Et let's go, on va tout nettoyer. Là. Bon mes amours, du coup on est le lendemain, regardez la terrasse, il faut se baser ici. Elle est bien claire, bon ici c'est encore mouillé donc ça va pas encore sécher parce que j'ai vraiment tellement frotté. Elle va être toute claire comme ça donc je suis trop contente, ça va être trop beau, moi je croyais qu'elle allait rester noire. La meuf qui est toute contente pour une terrasse, go l'aménager, c'est parti. On a été faire un tour chez Action et Confo et Leroy Merlin et du coup j'ai trouvé tout ce qu'il me faut pour ma terrasse normalement. J'ai aussi pris des plantes chez Lidl, donc elles sont trop belles. Et regardez, pour la chambre, j'ai trouvé des petits coussins trop beaux. Hello! Bonjour! Bonjour! Enlevez vos chaussures, je vous en prie! Attends, personne ne rentre avec des chaussures dans ma chambre. Pardon, pardon. Sur toc. Enlevez pas vraiment. Mais bah bon mes amours, c'est parti pour le... Moi ouais, mais je te vois derrière en train de bouger ta bouche à chaque fois que je parle. Je suis concentrée. Les amours, c'est parti pour le fameux room tour de la suite. Ah, j'aime trop dire ça, ça fait très femme riche. Par contre, j'ai mis en peinture chez... Très femme riche alors que je n'ai plus un rond sur mon compte depuis que je rénove cette maison. Vas-y, viens. J'ai fermé la porte pour pas spoiler. Donc du coup, spoiler, on va commencer avec mon dressing. Donc ça c'est un dressing supplémentaire qui est intégré du coup à la chambre. Donc là c'est un dressing du coup que j'ai fait. Attends, je peux montrer les plans parce que j'ai envie de vous montrer. Franchement il est beau. Mon chéri il a tout repeint parce que c'était gris. Je sais pas si je vous ai fait un avant après. Vous avez les petits spots ici, d'ailleurs il y en a un qui va plus. On rentre, il est comme ça.
Donc pour le dressing, j'ai pas encore mis tous mes vêtements parce qu'il y en a un deuxième qui arrive dans le studio YouTube. Mais voilà, j'ai classé par couleur. Ici c'est tous les trucs un peu de noir et tout. Là c'est tous les trucs à paillettes, vous savez que j'aime trop. J'ai placé tous les t-shirts, etc. Par couleur, genre de nuancier, t'as vu comment je suis une ouf. Mes jeans, j'ai encore un carton plein, mais je me dis qu'en vrai ça sert à rien d'avoir autant de jeans. Donc j'ai pris les jeans que j'adore et tout le reste ça va partir sur une appli de vente. Ici c'est mes pantalons noirs, ici c'est mes joggos. Et puis voilà, là il y a mes petits talons. D'autres bottes et d'autres sacs, on s'en fout, hein. On va bah, vous montrer tout ce que j'ai, on s'en fout. Donc là, ici c'est toutes mes robes et mes trucs un peu longs et tout pareil. De toute façon tout est blaze par couleur, je vais pas vous le répéter toujours. Ici c'est d'autres sacs. Là c'est tous mes blazers et mes chemises. Genre quand j'ai vraiment envie de faire la bourge, je mets ça. Mais ils savent! Ils savent que j'adore faire la bourge! J'ai pas le rapport avec bourge et les vêtements! Si, c'est des blazers! Ça fait femme très riche quand tu mets un blazer! Et voilà! Ici, c'est mes vestes! Et là, j'ai placé d'autres sacs! Ici, j'ai mis des petites chaussures! Ici, c'est les pulls en laine! Vas-y, vous allez dire c'est long! Mais bref, je suis obligée, je vous montre dans le détail, vous savez que je l'aime! Et ici, c'est toutes les sweats et les vêtements un peu cosy, tout ça! Donc voilà, et ici j'ai une armoire cachée où je range toutes mes petites boîtes et tous mes sacs classés par couleur, donc coloré, rose, marron, oh, c'est trop beau. Et toujours avoir une bouteille de Pepsi Max. Pepsi, si tu passes par là, envoie-moi un petit message. Je passe mes messages chaque vidéo, d'accord? Allez, c'est parti. Ici du coup, vous avez, bon je l'ai ouverte, on a notre salle de bain privative. Rentrez monsieur, je vous en prie. Pareil, du coup j'ai fait repeindre tout à mon chéri, il en a marre de moi. Petite toilette personnelle, mais vous allez voir dans la maison il y a 4 toilettes. J'ai mis mes produits que j'utilise tout le temps pour les cheveux, etc. Des petites bougies que j'allume, que je vais allumer si j'ai envie d'une ambiance un peu sexy dans ma salle de bain. Cette salle de bain est très sexy, je me crois dans Céline Sunset. Dans Céline Sunset. Mets-moi dans le miroir, voilà. Ici, mes amours, il y a ce gros caisson miroir qui est un peu abîmé, mais qui est pratique parce que du coup, on peut ranger des choses dedans. Bon, il faut que je nettoie et tout. On peut ranger des trucs dedans, mais je suis pas trop fan, mais bon, je vais le laisser. Je voulais mettre un miroir digital et tout, mais vu qu'il y a des prises électriques derrière, ben, c'est un peu délicat. Je crois qu'il y aura des trous dans le carrelage. On a des tiroirs avec des rangements que j'ai classés déjà, mes boules de bain, mes petits trucs que j'utilise tous les jours, skincare et tout. Voilà. J'essaye d'aller un peu vite. Hein. Alors là, c'est tiroir bordel à cheveux. Et un caisson où j'ai mis tout le maquillage et tout que j'ai envie de tester. Tout ça. Bref, et là, c'est mes appareils pour les cheveux. Ici, il y a un côté à mon chéri. Ça va au bordel. Hein. Bon, à côté, mon chéri qui est en bordel. Ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Et il m'a volé un peigne. Et là, c'est le maquillage que j'utilise tous les jours. Donc, basique. Ça sera mieux rangé par la suite. Et là, c'est tout ce qui est pour les cheveux et les gels douche, les sels de bain, etc. Voilà. Ici, on a un bain de géant. Il est grave grand. Un bain de quoi? De géant. C'est vrai que... Il est grand, mais attends, je vais me mettre... En fait, comme j'ai un vieux profil, je vais me mettre comme ça pour la présenter. Voilà, là t'es plus à contre-jour, là. Là t'es bien. Là je suis bien. Ouais, là t'es bien. Vous voyez comment elle est grande. Faut voir comment t'es souple. Arrête. Arrête. Mais pourquoi tu montes dedans? Je suis plus souple. Pourquoi tu montes dedans? Pour montrer comment elle est grande. Vous voyez? Non. Elle est grande. Non, mais en vrai, c'est grave. On dirait une naine. On dirait une naine dans une. En vrai, c'est grave. Une baignoire normale. Eh, hey, t'as pas toutes les naines? Non, mais j'ai rien dit. Non, mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Moi, je suis 1m64, donc vous voyez, franchement, elle est grave grande. Mais c'est grave bien, franchement. Cocooning. Non, mais par contre, c'est bon, tu veux pas la tester aussi en vidéo? Si, c'est pas économique au niveau de l'eau. Et comme vous savez, j'aime beaucoup faire des crash tests de boules de bain sur TikTok. Voilà, il faut pas trop en prendre. Douche. Voilà. T'as pu allumer, non? Bon, c'est pas très grave, ils voient. On voit pas très bien. Vous voyez? Hein, vous voyez. Bon, voilà. Sinon, ici, j'ai fait un petit coin trop mignon. J'aime trop ce coin. Et la console, elle vient de chez Maison du Monde.
les porte-savons en verre de chez Amazon. Ça, je l'avais déjà à l'autre maison. Et ici, j'ai mis mes produits Kylie Skin. J'isole tout ce que ça fait stylé. Mais en vrai, je les utilise. Le tapis vient de chez Centre Accord. Celui-là vient de chez Ikea. Parce que j'ai oublié de vous dire. Ça, ça vient de chez Action. Ça, ça vient de chez Amazon. C'est en verre. Voilà, en gros, il n'y a pas. Là, on a le sèche-serviette. Et puis là-bas, je prends mon pyjama. Ah, et le pommeau aussi, je vais montrer parce qu'il est grave bien. Tu peux l'allumer? Ouais. Le pommeau, regardez, il est trop beau. Vu que cette salle de bain, je vais la faire blanche et gauche. Voilà, mes amours. C'est stylé, hein. Et vous pouvez régler, genre, la puissance et tout. Puissant, pas puissant, puissant, pas puissant. Et vous puissant, aussi, pas puissant. Couper directement la pression. On allez, appelle la pression. Stop, stop. Vous me direz ce que vous pensez de cette petite salle de bain privatif. Parce que Lilo et Swan, ils ont la leur, donc voilà. Ensuite, après, je te montre ma chambre. C'est la pièce maîtresse. On va passer à notre terrasse aussi privée. Hein, c'est que pour nous. Viens, je te montre. Tu peux bien montrer le sol parce qu'ils l'ont vu avant. Je l'ai archi nettoyée et bon, là, il y a un peu d'eau. Mais elle est bien propre. Et voilà, j'ai récupéré ça d'en bas, je l'ai mis en haut. J'ai un petit panier avec un plaid au cas où on a froid. Mais du coup, il a pris la pluie parce qu'il a plu. Non, ça va y être mouillé. Petit coussin, tout ça, ça vient de chez Leroy Merlin. Ensuite, j'ai mis des pots comme ça qui viennent de chez Action avec des petites plantes. Sachez que tout ici, ça va pas rester... Ah oui, on peut pas trop faire la vue, sinon on va voir les voisins. Les voisins n'ont peut-être pas envie qu'on voit chez eux. Ici, on va mettre tout un panneau comme ça qui va arriver par-dessus. En fait, un cache pour cacher parce qu'on n'aime pas trop. Et il sera de cette couleur, ok? Donc, les tapis comme ça, ils viennent de chez Action. Petite table, j'ai récupéré en bas. J'ai mis bougie, tout, presque tout vient de chez Action. Comme je sais que ça va prendre la flotte et que ça va... ici, il y a... Viens. Ah, c'est une surprise. Ouais, parce qu'il pleut, tu vois, donc je l'ai couvert. Mais ici, on a notre œuf. Voilà, on a notre œuf. Et là, il y aura un gros parasol beige qui va venir par-dessus pour couvrir la moitié de la terrasse. Ici, ça fait gaming tout en bordel. Mes amours, du coup, on passe à la chambre. Bah, vous êtes déjà dans ma chambre, mais on passe à là où je dors. Damn, tu spoiles pas tout de suite. Hein. Non, non, non. Alors, du coup, je vous ferai une vue globale après, mais là, je l'adore, ma chambre. Elle est trop chic. Et choc. Non, je rigole, elle est trop ouais, chic, mais en même temps elle est grave cocooning, je trouve. Donc là j'ai mis deux consoles de chez Ikea et je trouve ça fait grave beau. Oh, j'ai envie de tousser. Vous avez des bijoux que je porte souvent, donc des colliers, etc. Mon nouveau bébé Jacques, il est trop beau par contre. Il est trop beau, donc je le mets en déco. Ensuite j'ai mis un petit bougeoir avec des bougies noires, ça vient tout de chez Action, ça. Pareil pour les boîtes d'ailleurs. Donc Action, c'est la vie, pas cher et bien. Ce petit coquillage que j'ai acheté chez West Wing, où je mets aussi... Vas-y, bah fais une pause avec, j'aime bien West Wing. Que je mets d'autres bijoux quand j'ai la flemme de les ranger, je les fous dedans. On a ça, un gros senteur qui sent trop bon de chez Rituals. Comme dans chaque pièce, j'ai envie de vous dire, petite statue, petit plateau or de chez Amazon. Un parfum qui est très joli de Yves Saint Laurent. Et il y a d'autres bijoux que j'ai envie de mettre qui sont beaux. Voilà. Dans chaque tiroir, on a... Je suis un peu chiante, hein, mais c'est pas grave. Si tu regardes mon retour, tu assumes que je suis chiante. T'es curieux, t'assumes. Voilà. Donc là, j'ai mis tous mes parfums. Voilà. D'ailleurs, j'ai reçu un nouveau parfum de chez Lancôme. Il est trop beau. Je vais le mettre en avant dans ma vidéo. On a ici une petite boîte où je mets tous mes monoboucles. Voilà, ça a filmé plus. Si. Ok. Et là, c'est mes anneaux. Là, c'est d'autres bijoux que j'ai pas encore triés parce que j'ai la grosse flemme, des colliers. Et ça, c'est des boîtes voilà, avec mes lunettes de soleil. Regardez cette beauté. Avec des lunettes de soleil et tout ça. Tu les as jamais mises en plus? Ouais, pas encore. J'ai mis mes pyjamas, mes petits t-shirts, tu vois. Et non, ça, je l'ai mis là parce qu'on s'en sert pour le cinéma. Mais vous allez voir qu'on a mis un cinéma dans notre chambre. C'est parti. Dernier tiroir, oh là là, ça vous regarde pas ça. C'est de la lingerie. Tu m'as fait flipper, toi. C'est ma lingerie, donc flemme. Ici mes amours, je remplis avec ce que je reçois et que j'ai envie de tester. Parce que bah voilà, j'aurai un studio skincare et tout qui sera dans mon autre pièce. Mais ici il faut bien que je garde aussi du make-up.
Donc ça c'est le make-up que je viens de recevoir, MAC, Huda Beauty, Fenty Beauty et tout, que j'ai envie de tester. Donc je les laisse ici. Deuxième tiroir, ben c'est un peu des boîtes à bordel, hein. Là c'est tous mes vernis semi-permanents. Dans celle-là j'ai rien mis, mais justement on va ranger. Ils viennent de chez Ikea les boîtes d'ailleurs, c'est grave bien pour cacher le bordel. Mes lunettes, une autre boîte à bordel, et ici c'est de la skincare et tout que j'ai envie de tester. Et là c'est des bougies de rechange pour je sais pas quoi. Je vais montrer comment surveiller tes lunettes, porte-les. Ok. On dirait une vieille, hein. Je vous préviens, je ferme directement la gueule. Vas-y Bernadette, si tu passes par là, tu vas te reconnaître. Très moche. Non, personne. Je préfère me voir sans lunettes, je vois pas mes défauts au moins. Non. Ouais, dernier tiroir, mes amours, j'ai pas encore fini de le ranger, mais pareil, c'est tout du make-up qui est neuf et que j'ai reçu des marques et qu'il faut que je teste. Donc je garde du make-up dans ma chambre. Écoutez, ça sera bien rempli et bien rangé surtout. Mais c'est pas encore le cas. Mais c'est pas non plus la terreur. Hein. Vu d'ensemble, là on a une plante que j'ai acheté chez Lidl. Donc voilà. Ensuite on a, il y a le même tapis que dans le salon, sauf qu'il n'est pas aspiré, sauf qu'il est plus grand pour cacher un peu le sol foncé que vous avez vu au début. Et mon chéri, cet homme merveilleux, il m'a tout repeint en blanc. Oh c'est trop mignon. Donc ici il y a un bout de lit, bah là c'est l'espace nuit. Voilà. C'est l'espace nuit. Comment tu te sens? Oh bien hein. Un bout de lit comme ça que j'ai brossé, vous l'avez vu, qui vient de chez Kenty Home. Pareil, Kenty Home qui m'avait envoyé il y a Père Capé Ballet, mais c'est tellement mignon que je l'ai gardé. Le lit que je vais te montrer en détail maintenant, parce que c'est un lit qui m'a été offert par Hypnia. Et donc du coup j'ai le sommier et le matelas que je vous intègre maintenant, parce qu'il est trop confortable, franchement c'est abusé. Je vous ai dit, il m'a été envoyé par Hypnia. J'avoue qu'il est confortable. De ouf. Depuis mes nuits sont plus les mêmes. Hein. Ah, mais grave. Un bras et tout pour vous montrer, mais le matelas il est trop confortable. Il a du coup comme un matelas mémoire de forme par dessus. En fait c'est directement intégré dedans. Ici il est trop beau en plus. C'est le sommier que vous avez là. Donc voilà, ils font des sommiers, des matelas, il y a vraiment tout type de matelas, mais je vous jure, j'ai jamais eu un matelas aussi confortable. On a tout pris du coup en king size pour le matelas, le sommier, et j'achèterai sûrement une tête de lit du coup qui viendra juste ici. Donc là c'est grave bien mes amours, parce que quand vous commandez sur le site, vous avez 120 jours pour changer d'avis, la livraison elle est en 48 heures. C'est le matelas bien-être suprême si jamais vous voulez. Il y a une tache. Ah ça c'est ma phobie de faire des taches sur le matelas. Bref, je sais pas comment ça arrivait sur mon pendant le déménagement. Si vous voulez le même que moi, voilà la ref. A savoir que aussi du coup, si vous voulez encore une fois le même que moi, je vais organiser un concours sur Instagram. Donc rejoignez-moi de toute urgence sur Instagram, parce qu'il y aura exactement le même sommier et matelas à remporter pour vous dans un prochain post, sûrement ce week-end, vendredi soir, ou bref ça arrive. Donc si tu veux le bien-être suprême et dormir trop bien, viens me rejoindre sur Instagram et le concours arrive. J'ai trop hâte. C'est un plaid de chez qui? Le Roi Merlin. Une tablette de chez Castro. En forme de latte. De ouais. Il est trop mignon. C'est pour préciser. Comme il est beau. C'est pour préciser à mon chéri qui doit me servir le petit déjeuner au lit. Et aussi on met le PC le soir, des fois quand on regarde la télé et qu'on n'a pas le temps de mettre le cinéma. Tu vas avoir. Du coup j'ai mis des coussins un peu cocooning pour casser un peu le style de la chambre. C'est un mouton qui vient de chez Castorama. Le Roi Merlin. Celui-là vient de chez Conforama. En tout doux comme ça. Et celui derrière vient de chez Le Roi Merlin. On passe aux tables de chevet, mes amours. Les tables de chevet, c'est les deux mêmes. Elles se vendent en gigogne chez Maison du Monde. Donc vous avez les deux. Elles sont en marbre. Très très belles. Franchement, j'aime trop. Ouais, attends. Par contre, tu vois, tout est beau. Ouais, tout est beau. Attends, tout est beau, j'avoue. Tout est beau. Arrête. Tout est beau. Voilà, dis-le ce que t'as fait. Dis-le ce que t'as fait. Cassé. Et mes amours. Elle claque le sac comme ça sur le béton. Tu l'avais cassé. Mais non, c'est toi. Je l'ai acheté à Confo. Pareil, c'est la petite touche or de ma chambre. Et les lampes, ces lampes merveilleuses qui sont en réalité en plastique et non pas en cristal, viennent de chez Action. Donc, comme quoi, Action a des trop beaux trucs. Et j'ai mis la même du côté de mon chéri. Je peux montrer.
C'est exactement la même chose du côté de mon chéri, mais sauf que je vais lui mettre une déco noire. Le luminaire, je sais que beaucoup me disent que ça ressemble à un plat. C'est pas hyper beau, mais franchement, ça passe. Je l'ai acheté sur Amazon. Je suis un peu déçue. En plus, je crois que mon chéri l'a monté à l'envers. Il sera remplacé par un luminaire noir. Non, mais je suis... C'est toi qui m'as dit que ça se montait comme ça. Il est plein de patchs. Pourquoi? Oui. Tout ce qui est défaut, c'est moi qui prends. C'est toi le problème. Donc là, mes chéris, j'ai mis les rideaux. Pareil, c'est les mêmes que au salon. C'est ceux en lin de chez Ikea. Je sais plus la rêve, mais je sais qu'ils coûtaient 69€ et c'est les seuls. Donc, si jamais ça vous intéresse, je sais que dans l'autre vidéo, vous m'avez demandé la rêve. Et je sais pas si je vous les ai mis dans les séquences, mais si je vous les ai mis, tant mieux. Sinon, c'est ceux en lin. Ici, j'ai mis un petit cadre nuage, trop kiki. Et voilà. Hein. Je vais vous faire une vue globale. J'aime trop. Là, par contre, il y a la clim. C'est beige, donc après c'est la clim, on s'en fout. Pour vous montrer le cinéma des tuches. Alors, première étape, tu baisses les volets. Ouais, moi j'assume, j'aime bien être une tuche. Ensuite, on installe le petit projecteur. Il vous faut deux chaises de camping pour tuche. Parce que bah, sinon, vous êtes au sol, très clairement. Mais hey, j'ai pris des chaises d'Arfuma chez le roi Merlin, elles sont confortables. Hein. Et vous regardez la télé avec un petit plaid, des petits pop-corn et tout. Et là, on va en remettre 4. Et bienvenue chez les tuches. Elle déplie ses chaises de camping du dessous du lit. C'est génial. Et elle se met à cinéma. Et en plus, elles sont double usage parce que je pourrais les utiliser dans mon jardin cet été. Voilà. Après, je les plie, je les fous sous le lit. Voilà, pas de problème. Oh merde. Voilà. Génial. Donc voilà mes amours, c'est la fin de la vidéo sur la suite parentale que vous avez tant attendu, que vous m'avez tant demandé. J'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas moi ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous. Et j'ai hâte d'avoir vos retours sous la vidéo de ce que vous avez pensé de ma chambre. Si vous kiffez, mettez un like et la prochaine vidéo qui va venir sur YouTube, ce sera la pièce YouTube, la pièce skincare, ce que vous voulez. C'est vraiment ma pièce de travail, mon bureau, là où j'ai filmé toutes mes vidéos. Donc si tu veux voir, mets-moi ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bye!